quand j'étais petit et que quelqu'un, par exemple, allait habiter à Louise ou quelque chose comme ça, pour nous, c'était une sorte de traître parce qu'il quittait en fait notre environnement pour aller chez les Bourges. C'est comme s'il avait honte. Je sais pas comment t'expliquer. Pour moi, il y avait une frontière comme ça mentale entre le nord et le sud. C'est comme si je faisais un grand clash entre les deux. Il n'est pas aussi grand que dans les favelas au Brésil ou des trucs comme ça. Mais pour moi, il reste marquant, quoi. On peut schématiser en disant que, tu vois, la plupart des gens qui sont d'un milieu social défavorisé habitent dans les quartiers nord. Et en même temps, quand tu te focalises sur ces quartiers, tu te dis, au fait, il y a énormément de divisions entre générations, entre communautés. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Ces deux communautés partagent la même religion. Ils habitent le même quartier, mais vraiment, quand je t'ai dit le même quartier, c'est un voisin turc et un autre qui est marocain. Et il n'empêche que, purée, la barrière, elle est vraiment... C'est le mur de Berlin, tu vois, entre les deux.